Bonjour Stéphanie. Bonjour Richard. Eh bien Stéphanie, c'est la deuxième fois qu'on se revoit pour faire une vidéo ensemble. La première fois, c'était pour le Quinta Essentia avec Jérôme, pour l'hôtel que vous avez ici à Playa Brasilito. Et puis là, maintenant, c'est pour une nouvelle activité que tu as développée qui m'a surpris quand je suis venu vous visiter l'autre fois. C'est donc tu vas nous parler maintenant de ton activité qui s'appelle Pura Vida Friend Touch. Oui, c'est ça. En fait, on a ouvert un petit atelier de décoration. On a commencé en décorant l'hôtel au début. C'était juste pour les clients, pour l'hôtel, et de plus en plus les gens nous demandaient si les cadres étaient à vendre ou s'ils pouvaient en avoir, donc on disait non au début, et puis ça s'est reproduit de plus en plus, et donc après on s'est dit bah pourquoi pas, je vais essayer de faire quelques cadres et les mettre en vente à l'hôtel, et ça a tout de suite bien marché. Après les gens, la communauté d'ici, les expatriés, les locaux, les gens qui vivent ici ont commencé à me connaître. Et pareil, venez pour avoir de la déco pour chez eux, personnalisée. Et donc ça a pris tellement d'ampleur qu'il y a un an et demi maintenant, on a construit l'atelier où on est ici. C'est mon petit atelier boutique en même temps. Donc en fait, les clients viennent ici, tout est accroché. Et là, ils viennent, ils personnalisent leurs tableaux pour leur maison, les meubles. Et on essaye d'utiliser beaucoup le bois que l'on recycle. On a une exploitation agricole où on a pas mal d'arbres qui sont par terre, où on en fait des planches, où on récupère le bois flotté sur la plage, les palettes sur la route que des gens vont brûler, qui sont cassées, on récupère tout et on en fait des petits panneaux en bois. Et moi je les peins, je mets des messages, je décore, ça dépend pour qui, pourquoi, des petites filles, des maisons, des hôtels, un peu de tout en fait, c'est assez diversifiant. Donc tout est fait à partir de matériaux de récupération en fin de compte. C'est ça, oui, on utilise vraiment tout ce qu'on peut récupérer au niveau du bois, on ponce, on traite, on peint et puis on décore après. Et donc c'est ce que les gens aiment aussi parce qu'ils savent que c'est des matières recyclées et ils en font ce qu'ils veulent, ils le personnalisent ou pas. Donc c'est ce que les gens aiment bien beaucoup ici. Et puis donc tu m'expliquais tout à l'heure, parce que comme ça marche très bien ton activité, visiblement que tu vendais surtout grâce à Facebook, à Instagram et tout ce genre d'outils modernes quoi. Oui, c'est vrai que maintenant les réseaux sociaux aident beaucoup et donc j'ai une page Facebook qui s'appelle Pura Vida French Touch et ma page Instagram aussi où j'ai beaucoup de gens des followers comme on dit, qui me suivent. On était même étonnés, on est à 7500 il me semble là récemment. Et du coup, ça partage, ça m'envoie des messages, ça me fait des commandes un peu partout, dans le Costa Rica, aux États-Unis, quelquefois en France. En Europe, ça reste un peu compliqué parce que les frais de port sont super chers par rapport à un petit cadre qui vaut 20$ ou 30$, ça dépend de la taille. Donc les frais de port, c'est un peu compliqué. Mais non, oui, c'est vrai que les réseaux sociaux aident beaucoup pour tout ça et c'est cool en fait. Et le logo de Pura Vida French Touch, c'est le taureau que tu as en pendentif autour du cou, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Non, c'est un animal que j'aime bien aussi. Comme je disais, on a une exploitation agricole avec des vaches, des taureaux, et ça fait un peu gypsy. Enfin, je sais pas. J'aime bien cet animal, ce dessin, et je m'en suis servi comme logo. Et voilà, pour changer un petit peu. Impeccable, ça me paraît super. De toute façon, on va pouvoir montrer ta boutique dans la vidéo. J'ai fait quelques images que comme ça, les jurons pourront apprécier. Puis quand ils vont passer par là, ils pourront venir te reviser et puis acheter ce que tu veux parce que c'est quand même vraiment sympa. Et quand on voit qu'on a pas mal de gens qui nous demandent ce que l'on peut faire au Costa Rica, quelle idée on a, toi, tu prouves que parce que tu faisais autre chose avant, tu peux nous en parler rapidement. Oui, j'étais infirmière pendant 20 ans. Enfin, j'ai d'abord été danseuse classique à Paris quand j'avais 16-17 ans. Et après, j'ai été infirmière. Et oui, j'en ai eu assez de voir des gens malades, tristes, d'être confrontée à la mort, à la maladie. Et quand on a changé de vie et qu'on est venu ici, je me suis dit, allez, je vais faire que des choses positives, des choses qui donnent le sourire aux gens. Donc en fait, c'est pour ça que je m'éclate, parce que les gens qui viennent ici, c'est pour faire des cadeaux, pour décorer des maisons. Et c'est toujours des choses gaies. Et tout ce qui est triste, c'est derrière maintenant, voilà. Eh bien, ça me paraît bien tout ça. Mais sur ce, je crois qu'on va pouvoir prendre congé. Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, avec plaisir. Dans ce cas-là, je te dis bonne journée, à la prochaine. Et puis, on se revoit quand je reviens par là. Ok, merci beaucoup, Richard, d'être venu par ici, par Brasilito. Et puis, bonne continuation. Et pour Avida, comme on dit ici.
pour la villa, Stéphanie. Avec plaisir. On va se laisser avec plaisir.